Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tenkraft. On se retrouve aujourd'hui sur Raft pour un épisode suivant et je sais que vous l'attendez celui-là car oui, nous n'avions pas réussi à tuer le Rhino Requin, le boss de Varuna Point la fois précédente, rappelez-vous. Tenshi est tombé dans le coma et j'ai dû la ramener à son lit. Et en effet, que c'est moi qui tombe. On retrouve Tenshi en coop comme d'habitude. Nous la voyons juste là. Et bah écoutez, aujourd'hui, le but, hein, bien sûr, de cet épisode, c'est de finir Varuna Point. On va essayer de le terminer aujourd'hui. Terminer, avoir tous les plans à chaque fois. Hein. N'oubliez pas, on a des plans qui sont débloqués, on a des nouvelles constructions. Rappelez-vous, la fois précédente, on avait débloqué la grille de cuisson électrique, petite grille de cuisson électrique qui nous permet de cuire beaucoup plus. Donc là, franchement, c'est juste... ouais, je pense qu'on va se faire plaisir avec tout ce qu'on a. On commence à avoir des trucs assez sympas. Mais après, il faut les construire et il faut avoir beaucoup de titane. Rappelez-vous, le titane, on l'a soit éventuellement en loot exceptionnel dans les points de quête, soit éventuellement avec le détecteur de métaux au niveau des îles. Vous utilisez le détecteur de métaux au niveau des îles et vous découvrez des petits trésors qui sont enfouis. Et justement, il faut vraiment énormément de titane. Si je regarde, il faut quand même 6 lingots de titane pour faire des grilles de cuisson. Il nous faut du titane pour tout ce qui est réseau au niveau de l'eau. Donc franchement, il y a besoin de titane un peu partout. Donc c'est pas le tout débloqué, mais il faut le construire. Allez, aujourd'hui, objectif les amis, on tue ce rhino requin, on retourne dans l'eau. Tenshi et moi vont reconstruire des palmes et des bouteilles d'oxygène. Donc, normalement, on est fin prêt. Qu'est-ce qu'il a détruit? Laisse-moi tranquille. Elle a détruit mon bateau. Alors. Je peux même pas faire de la déco tranquille. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, du coup? J'ai oublié. oui. On va essayer de prendre de la nourriture. On va essayer de prendre de la nourriture, on va essayer de prendre de la soif, de l'eau, hein, de quoi boire, des cocktails. Et on va aussi prendre des baumes de guérison qui, je pense, sont fort, fort intéressants. Bah, écoutez les amis, avant de commencer l'épisode, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord et à vous abonner à mon Twitter si vous souhaitez discuter avec moi ou les abonnés concernant Raft, concernant City Skylines, tous les autres jeux que je présente. Allez, on est parti, on rejoint Tenshi et on va aller affronter ce requin. Allez, let's go. Bon, du coup, tu as voilà, des... Ça fera plus joli au moins ici. On fait plaisir à Eileen, on met des guirlandes un peu partout. moi aussi ça me fait plaisir, je trouve ça joli moi. Ben oui, c'est super beau, c'est sympa. Et pour moi aussi de base. Allez, je t'ai mis des baumes de guérison, je t'ai mis 3 baumes de guérison. Ok. Dans le coffre d'hiver. D'hiver. Et hop, je vais prendre. Je vais me booster. Je vais me prendre un petit cocktail aux fraises, pourquoi pas. Hein, c'est l'apéro, plutôt, plaisir, mais... Hein. C'est un plaisir, ils sont là. Et je vais pas, prendre un poulet à la noix de coco. Hop, tout en stock, comme ça, on est bien. Les palmes sont à fond, la bouteille d'oxygène est à fond. Bah écoute, je te propose d'y retourner, si toi tu es prête. Je finis juste de déposer les guirlandes là. Je te propose d'y retourner. Et rappelez-vous, les amis, la fois précédente, donc le boss qui ressemble à un mixte entre rhinocéros et requin est vraiment tout au fond du deuxième bâtiment, donc celui de droite. Donc il faut vraiment qu'on plonge tout au fond pour retrouver le boss, finalement. Et je voulais préciser quand même que, heureusement d'ailleurs, qu'on a des petites aérations de temps en temps pour pouvoir reprendre de l'oxygène, parce que même avec des palmes et même avec des bouteilles d'oxygène, c'est très compliqué. Ok. Ah, requin à l'avant cette fois-ci. C'est bon. Cool. C'est pratique les flèches. Ouais, non, c'est vrai, c'est pratique. Bon, par contre, c'est complètement... Allez, je dépose la corde et le plastique et c'est bon. C'est complètement vide au niveau du bois. Hein. On a 20 de bois, ça va encore. Écoute, je te propose d'y aller
Bah, je suis en train de prendre ma bouffe et je vais sauter. Allez. Je vais mettre ça, je vais mettre le baume de 5 guérison en cocktails. raccourci quand même. Je sais pas où il est le requin par contre. Il est là. Faut essayer de le laisser s'en aller à l'opposé. Bon, écoute, hein. Ah non, il est là, il est juste là, mais pourquoi il va ici? Il y a encore une flèche sur son dos. Ouais. Bon, t'es prêt? Va Allez, falloir vas-y. nager, aller près du truc et tout avant de. Parce qu'il va nous attaquer. Hein. Ouais. Faut aller vers les méduses. Ok, on plonge. C'est Ah, ça bon. y est, Moi, je j'ai suis là où il y a les 7. méduses. Et Je suis un après, peu je vais en essayer de dessous. sortir. Je suis un peu en dessous. Je replonge encore. C'est vrai que c'était vraiment tout au Pareil, fond. je replonge. Je plonge, je plonge, je De plonge. toute Non, mais façon, c'était juste pour éviter le requin. on s'attend dans le tunnel cylindrique là, tout en bas. Et on va réaffronter ce boss. Je crois que c'est celui-là, il me semble. Ouais, il me semble que c'est celui-là. Avec les Ben, palmes, c'est quand même bien mieux, hein. je. Oh, bah oui, j'imagine. Hein. Parce que là, je vais être limite en oxygène. Mais ça va le faire. Voilà. Hop, je t'attends. Ici. Ah, il Donc vient là, cliquer. normalement, il est au-dessus. Il est sur le palier du dessus. Ah bah ça y est, on le voit. Allez, on est reparti. Est-ce T'es prêt? qu'éventuellement... Ah ouais, Bien tu peux sûr. pas garder le... Ouais, Barrive si ça je peux. c'est Mais très il faut bien. pas qu'il m'attaque. Bah écoute, je Parce que vais je suis prendre l'aggro. ralenti. Je vais prendre l'aggro. En fait, je consomme beaucoup plus d'oxygène quand j'ai ça. Ah, il m'a touché. Ah, je peux pas. Quand je traverse le truc, je lâche le bas. Je Bon lâche. bah tant pis, vas-y, lâche-le et puis il va Il est revenir où? par où là? Il est sorti. Il revient de l'autre à l'opposé. Et Je t'as pris vois, il me l'aggro. fonce dessus. J'ai raté, il m'a raté. Coucou, tu m'as raté. Là, il me voit. Viens là toi. Allez, viens. Viens. Voilà. C'est bon, il vient d'où? Il a cassé. Nickel! Et de 1, il faut faire une deuxième fois. Deuxième fois? Oh vache. Oui, Ok. regarde. Je vais prendre de l'air sur le côté. Parti prendre de l'air dans les bouches d'aération. C'est vrai. Alors, où est-ce qu'il est? Ici. Il te fonce Sur dessus? ma tête! Ouais, J'ai vu! J'ai vu, je suis parti direct! ok. Viens là, toi. Allez, viens là. J'arrive. Faut qu'ils nous font tous Il les deux arrive des sur coups, moi. donc du coup. Ça y est, c'est bon. Nickel! Je cherche le baril. On maîtrise bien mieux cette fois-ci. C'est mieux avec Ah, bah en le. même temps, maintenant on connaît un peu plus. C'est mieux avec C'est bon. les. Tu l'as posé? Il est posé. Ok. Ouais. C'est bon, il est là. Il te fonce dessus, je crois. Raté, j'ai pas le temps. Allez, viens là. Je vais essayer de Allez, prendre l'aggro. viens. J'ai besoin d'oxygène là, sinon. Ça y Allez, est, il nous vas-y. attaque. Voilà, nickel. Ah, c'est encore. Ah la vache, encore un Au-dessus. niveau. Bah oui, je pense que là, après, il y a un dernier pylône, je pense qu'il faudra faire. Un dernier pylône. Ah ouais, t'as Bon, raison. désolé, je te rends partie prendre de l'air. Il faut le faire 4 Ah, parce fois. que tu regardes bien, il y avait 4, Ouf. 2, et là, 1. Ah ouais, exact. Je vais prendre l'air sur un côté. Hop. Et je sais pas où est-ce qu'il est. Je sais pas où est-ce qu'il est. Ok, il est à l'opposé. Il Je a prends détruit un l'aggro. mur. Je prends l'aggro. Vas-y, je suis en train de prendre l'oxygène. Hop, c'est bon. Il a cassé une fois. Il faudra faire 3 fois. Il a cassé le mur. En fait, il casse les murs. Ok, d'accord. Il Je sais casse pas les où murs sur est-ce les côtés. Il va atterrir d'un autre endroit qu'on va pas s'y attendre. Hop là. Allez, viens là, toi. Non, non, tu vas me lâcher. J'ai besoin de prendre l'oxygène, tu vas me lâcher. Sur toi. Raté. Je suis obligé de prendre l'oxygène, je m'en vais. Oh, ça y Ah est. bah. Oh bah. Il a foncé dessus, je sais pas pourquoi, mais il a foncé dessus. Je pense qu'il a voulu t'avoir. Oui, il a voulu t'avoir en fait, mais il y avait le pylône devant. On a une meilleure réussite que. Punaise. Je l'ai pas vu, je le voyais pas. Là, c'est bon, je l'ai. Je prends l'aggro au pire. Là, c'est bon. J'ai l'aggro. Oh, il était trop bas. Allez, prends l'aggro là.
Non, c'est toi. Fais sur moi. Ah, quand j'ai besoin de prendre de l'oxygène. Oh, punaise. Quand j'ai besoin de prendre de l'oxygène, quoi. Allez, viens là, toi. Voilà. Et sur toi, ok. C'est bon, baril, explosif. Je dépose tout de suite. Il est là. Attends, bon, faut que je prenne de l'air. Là-dessus. Faut que je prenne de l'air. Ouf. Écoutez, les amis, on s'en sort plutôt pas mal. Bon, ça nous fait consommer quand même pas mal de... Ah, il m'a attaqué. Ok, il s'en va. J'ai mis le baril, hein, déjà. Ok. Je sais pas où il est. Il est là, ok. Il fonce. Oui. Ça y est, je crois qu'il est mort. Oh, il est mort. Il est mort. On l'a eu. Alors, maintenir pour prendre. Ouh là là, il y a l'air d'avoir des choses. 8 viandes de requin, viande 7, de requin, 8, 9, 10, requin, 11, 12. De requin. Trophée de requin. Ah, c'est toi qui l'as eu. Attends. Ah merde. Il y a quoi en haut? Ok. Ouf. Il y a quoi en haut? Ah, il y a quelque chose en haut. Bah oui. De l'air. Et il y a un passage. Ah. Donc nous c'est voilà là dans la trésor, suite. Trésor du coup. Attends, t'es où? Bah voilà, du coup c'est son trésor. Passage, passage. T'es où? Ah, bah, c'était le gardien si du passage, hein, l'escalade sort. C'était le gardien en fait, tu penses? Ouais, ça devait être le gardien du trésor, je suis sûr, parce qu'il a dit foutu requin à un moment donné. Donc je suis sûr qu'en fait le mec il a voulu, il a son trésor caché et que bah du coup il a perdu en fait à cause de la mer. Ouais, ah exact. Qu'est-ce clé qu'on a de la là grue. Ok, et éolienne. Oh. Éolienne. Oh non, de l'électricité gratuite. Non. Mais non. Trop trop bien. Alors. Si c'est ça, ça franchement, je ça, c'est du bonheur. C'est cool. Si on peut, au lieu de faire du biocarburant, alors là on monte. Ah ouais. Mais par contre, par où on passe? Ah, j'arrive pas à monter. Par contre, par où on passe? Elle aveugle cette lumière. Ici. Où est la sortie? Ah bah du coup faut qu'on ressorte alors. Ah non, elle est là. Le trou. C'est ça le trou? Les tuyaux. Ah. Des tuyaux. On remonte à la surface là. Ouais, j'ai l'impression. Oh oh. Alors là, il y a deux tuyaux. Je prends celui de droite. Je prends celui de gauche qui ramène au même endroit. Oui, ça va. Coucou. Ensuite, il y en a encore un autre long. Faut pas se perdre. Et là, je pense qu'on est à l'air libre, plus ou moins. Pas tout à fait. Attends. Je me reprends un peu d'air. Ah, il y a une porte ici. Ah, trop bien. Ah, oui. Ok, on arrive là où il y a les méduses. Ah, d'accord, de l'autre côté. Bah oui, la okay. porte s'était fermée. Ok, ok. C'est ça. Bah écoute, on remonte. Bah là, il faut remonter. En fait, c'est notre sortie. Ouais. Bah ouais, ouais, c'est ça. Faut remonter à la grue. Bon, bah du coup, on remonte à la grue. C'est parti. Oh, c'est trop trop bien, l'éolienne. Le requin est à l'opposé, donc on a le temps de monter sur... Ah bah moi, je vais avoir le temps, mais peut-être pas toi. Voilà. Ah, tu m'as bloqué. Non, j'avais le temps, parce qu'il t'a croqué toi, et pas moi. Excellent. Trophée de requin. Vas-y, montre à quoi c'est... Il y a une vitrine. On peut pas mettre sur soi. Regarde. Oh la vache. C'est un trophée, c'est pas... on peut pas mettre sur la tête. Bon, bah ah, la viande, hein. Tu déposée. Peux le mettre là. Genre, on pourra le mettre à l'arrière du bateau. J'en ai chopé 10. Regarde, on pourra le mettre à l'arrière du bateau, le truc. Qu'est-ce t'en dis? Ça fait un peu bateau de pêcheur, mais... Ah oui. Ah oui, d'accord, non, j'avais pas vu ça comme ça. On pourra mettre à l'arrière du bateau, ça fera pêcheur un peu. Ah. Moi, je sais pas où je vais le mettre, je vais le mettre... Moi, je dis pas non. Je vais le mettre dans divers, même pour sur l'instant. Les côtés, quand on va enlever ça. Ouais, ouais. Je te mets 15 morceaux de viande. Ouais, j'en avais 10 sur moi. Oh, bah, c'est trop bien. Coup, on est refait là, en nourriture. On a pas de bouffe, franchement. Eh ben écoute, je te propose d'aller à la grue. Le seul souci, c'est qu'on a rien qui va avec la viande de requin. Ouais, bon, on pourrait la griller déjà, et puis après on verra.
Je te propose de retourner à la grue, on y va. Allez, on remonte. On n'a pas trop le choix. On est reparti. Normalement, les rats, on repop. Mais en vrai, si tu montes direct... Ah non, ils sont plus là. Ils sont plus. D'accord. Il y en a plus. Bah comme quoi, en fait, il fallait visiter le sous-marin avant de visiter l'extérieur. Bah, c'est ça, ouais. Bah nous, on savait pas, nous. Un petit jump. Bah, par défaut, tu vas plutôt faire ce qui est en hauteur d'abord. Tu t'es loupé? Ouais. T'es tombé où? Ah, bah, je suis tombé là où il y a la grue. le tractopelle. En fait, j'ai fait mon jump tranquille. Je suis passé par les petites cases tranquille, il n'y a pas de souci. Ouais. Je suis passé par le petit chemin et j'ai foiré mon saut du petit chemin. Ah oui, sur le côté là. C'est ça, sur la petite planche. Alors, je suis à la grue. Je t'attends pour l'activer. Non, non, non. Ouf. Je voulais regarder au niveau de l'échelle et je suis tombé. Avis à ceux qui ont le vertige, ne regardez pas. Coucou. Il y en a un qui m'attend, qui me regarde. Oh, mais allez, on est parti. Avec ton chapeau de capitaine. Voilà. Utilisez une clé de grue. Et là, on va le démolir le truc. Oh, ouh, c'est trop bien. Et voilà. Et bah du coup, on retourne là-bas avec et la tiro. Et je descends. Ah, ça a tout détruit, ok. Oh la vache. Mais on va pas sauter comme ça, si. Bah si, écoute. Ouais, c'est profond là quand même. Je sais pas comment on va faire pour remonter. Je dois avoir un accès. Mais avant de sauter, moi je regarde parce que j'ai l'impression qu'il y a des trucs sur les côtés qui sont ouverts. Vas-y, je te laisse regarder si tu veux. Là j'ai vu une porte, par exemple. Qui donne accès ah, mais à y a l'autre des... côté là. Oh, c'est le trésor. Ouais bah c'est ça hein, c'est t'as l'appartement, trésor, t'as l'appartement en fait. Du gars en fait. Si y'a rien là quoi. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Oh trop bien. Je vais te laisser venir regarder. Ah je suis tombé trop bas. Regarde. Batterie améliorée. Oh, batterie améliorée. Et la note, ça nous donne quoi? Ça nous donne la future quête Tempérance. Je pourrais presque m'ennuyer ces jours-ci, mais j'ai un gros souci avec ma... Ah oui, donc ça, on l'avait déjà lu, ouais. D'accord. Tempérance. La prochaine quête, les amis, Tempérance. Bah écoutez, on va peut-être prendre ça. Ah, yes. Et là, on tombe où? Ok. T'as vu, il y avait un tuyau. Bah je suis là, regarde, il y a une porte. Ah, t'as même pas vu. Est-ce qu'il y a des algues? Est-ce qu'il y a des algues? Ah, mais c'est près du bateau, ça, non? L'opposé du bateau. Je crois qu'on est à l'opposé, plutôt. Il n'y a même pas d'algues. Ah, d'accord, je sais où c'est bon, j'ai trouvé. Oxygène. Oxygène. Et on est reparti. Et là, on y va. Pas de requin en vue. Il va falloir maintenant qu'on voit comment construire tout ça et je pense qu'il faudra. Raté. Mais c'est touché. Voilà. Eh ben dis donc. Écoutez les amis, on s'en sort plutôt pas mal. On s'en sort plutôt pas mal. Le soupir de l'espoir. Et j'aime je vais tout de suite inscrire. Oh, antenne 2 trop loin du récepteur. Oh, antenne 2 trop loin du récepteur. C'est celle-ci? Peut-être trop loin celle-ci. Oh, il attaque. Ok. Ouais. Est-ce que là ça serait ah, bon? Ah, trop tard. Il a attaqué l'endroit qui était déjà abîmé. Ah, c'est bon. Alors. Bon, on lâche l'ancre? On se laisse lever l'ancre? Vas-y. On se laisse porter? Tempérance 17-10. Allez, je rentre quand même les chiffres.
Voilà, 17-10. Écoute, c'est dans 2000 mètres vers la gauche. Bah, je vais quand même tourner l'avant du bateau vers là. Et je vais activer un petit peu quand même. Et on est parti. Et maintenant, il faut loot à fond. Il faut loot à fond. Pour refaire un peu tout le stock. Si tu vois une île entre-temps, eh bien n'hésite pas, on essaiera de s'arrêter pour voir s'il y a du titane. Et je vais aller apprendre tout ce qu'on a débloqué là. Alors, lampe pour casque avancé. Ok. Batterie améliorée. Ça, c'est pas mal. Et éolienne, convertit Je le te donne vent un en plan. énergie. Ah, ça c'est trop bien. Convertit le vent en énergie pour recharger les batteries. Ça c'est trop trop bien. Ça c'est nickel, ça va nous aider ça, parce que des fois ça pompe énormément de trucs, donc ouais, franchement. Bon, entre-temps, va falloir faire quand même du stockage pour revider tout ça. Bah Alors, là, je te... prochain objectif, je t'avouerai pour la construction, ce serait l'eau pour en haut. Comme ça évite les Ouais. caméras, la petite piquette. Ouais, c'est vrai. Faut en prendre soin. Voilà, on a deux plans, on a des restes. Ok. Baume de guérison, moi je les remets dans l'armoire, hein, dans le stockage d'hiver. Bah, j'ai remis. Bah, je sais plus où j'ai mis. Eh, c'est non, j'ai pas remis encore. Je vais le mettre d'ailleurs. Ah mince, on a loupé un petit tonneau. Écoutez les amis, je pense qu'on est reparti pour une période de farm. C'est pas forcément une période très intéressante, mais c'est quand même important. Oh, il a détruit devant. Il a détruit Oui, devant. c'est l'endroit que j'ai pas pu protéger tout à l'heure, je t'avais dit. Alors, est-ce que je peux éventuellement le refaire? Pas sûr. Ah, si je peux. Voilà. Ok. Il faudra plus de Normalement, on est miel, à je peu crois qu'on près va dans le retrouver courant. des abeilles. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour l'éolienne? Ah, bah, du titane, bien sûr, du circuit imprimé. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? On a appris d'autres. La grille de cuisson, on l'avait vue. Ce qu'on a appris, c'était lampe pour casque. Donc, il faut une batterie et deux lingots de titane, d'accord. Et sinon, la grosse batterie. Ah, ouais, c'est du. En fait, il faut énormément de titane. C'est incroyable. Incroyable. Oui. C'est ça qui va être Mais le dans plus les long en coffres, après, tu fait. peux en choper un comme tu peux en choper quatre. Ouais, Donc il y a ça ok. aussi, quoi. Ça dépendra de notre chance. Bon, hop. Donc déjà, je suis en train de refaire. J'ai même plus assez de plastique. J'ai pas assez de plastique. Oh, il me passe sous le nez, lui. Il y a une île sur la gauche si tu veux. Quoique elle est un peu loin, j'ai l'impression. Ça, c'est comme Ça tu va que j'ai veux. le nez dans la nourriture et dans les plantes. Attends, je vais quand même regarder vite fait. Sinon, il y a une. Ah, il y a peut-être une grosse île sur la droite là. Je vois à 300 mètres. Ah ouais, il y a une île énorme sur la droite. On va peut-être pouvoir essayer Ben go alors. de faire cette île là. Et voir Eh ben peut-être que go sur les go go. grosses îles, il y a peut-être plusieurs. Je fais une rotation. Attends, parce qu'il y a quand même des. Ça, c'est intéressant quand même. Voilà. Hop. Ah, mais il y a plein de. Un, deux. Il y a plein de. Il y avait plein de tonneaux là sur la gauche. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ah, c'est les îles oranges là, tu sais, avec les ours. Alors, je sais pas si. Oui. Bon, on verra bien. Hein.
Franchement, c'est très agréable d'avoir tout à disposition. On contrôle les moteurs, on contrôle la direction. Il manque plus qu'à contrôler l'encre. Parce que là, vous voyez, on a un petit bouton. Si j'appuie dessus, ça active pas l'encre. Donc je pense qu'on aura une encre améliorée ou électrique, je ne sais pas trop. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Enfin, en tout cas, ça fonctionne pas avec le plastique, 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 feuille de palmier. C'est bizarre, ça me dit rien ce genre d'île. Pas encore fait, mais il y a un nounours que je vois tout à droite. Ah, alors Je vais ça. avoir une grotte, donc Ah ça, oui, il y a moi, une ça, il y a de la grotte. terre, donc moi, ça me va. Ouais, j'ai vu à droite. Je te laisse lâcher l'ancre quand tu veux. Tu me dis et j'éteins les moteurs. Voilà. J'éteins les moteurs. Et on va pouvoir aller explorer tout ça ensemble. Nouveau type d'île. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une île ensemble. Donc je trouve ça plutôt pas mal quand même. On va pouvoir regarder un peu tout ça. Crochet mort. De quoi? Crochet est mort. Alors, est-ce que j'ai le détecteur de métaux? Je l'ai. Il y a des sapins. C'est trop bien, non? Ah bah là oui, mais là il n'y a Par pas contre, photo. je détecte rien du tout. Là je me vide parce que j'ai du bois du coup. T'as une hache? Ouais, c'est Et bon. oui j'ai une hache. Ok. Voilà, et j'arrive. Oh, il y a du miel. Et des abeilles. Ah oui, le Prends le miel filet des abeilles. fauchoir. Prends le filet Ah bah fauchoir. hop, je prends le filet. Parce que j'ai Comme besoin d'abeilles ça. pour faire d'autres ruches à miel. Oh, et puis il y a un vendeur, les cubes de déchets aussi, du coup. J'arrive, je vais prendre les cubes de déchets. Ah. Il n'y a pas Voilà, l'air. j'ai fait les cubes de déchets. Ok, parfait. N'y a pas l'air d'avoir de trésor. Par contre, il y a beaucoup. Beaucoup de miel. Il y a beaucoup d'abeilles. Et de Ça, c'est cool. ressources. Ah si, je commence à avoir... Yeah! Du bois! Je te Plein de laisse pommes de pin! le bois, je te laisse les abeilles, je prends le miel. Il y en a plein. Vas-y. Il y en a plein, il y en a plein, c'est cool. Le vendeur ici. Alors, le vendeur. Là, au moins, c'est bien, on n'est pas embêté par l'oiseau. Alors, le vendeur. C'est vrai. Ah, on peut avoir du plastique, des planches, de la ferraille. Titane, Ah, titane. par contre. Ah, il nous faut des jetons échangeables. Genre pour le piment, le curcuma, des recettes, il nous faut des jetons échangeables. Et les jetons échangeables, on les a. Ah, on les a quand on vend des poissons. Oui, des C'est poissons bizarre. spéciaux. Ouais, crevettes luisantes, ronge-filet, carpe à pointe. Mais alors, comment les avoir ça? Alors ça c'est une bonne question. Et du coup t'as différents niveaux, t'as niveau T2, on peut acheter du minerai, du cuivre, de la substance, on peut acheter un ragoût copieux. On peut acheter quoi? Carré de terre avancé. Oh, carré de terre avancé. Quoi ça? Je sais pas du tout. Ah, un compteur de fondation. Ça, je sais que quelqu'un me l'avait dit dans les commentaires. On pourra compter les fondations. Le T3. Oh, on pourra acheter des minerais de titane, mais en fait, il faut augmenter sa réputation en vendant des poissons, justement. Un frigo où tu pourras stocker la nourriture. Un Ah, pont-levis. ça serait bien ça. C'est énorme. Une gourde, une planche. Je te laisse regarder, mais en fait, on peut faire plein de trucs. Mais par contre, il faut de la réputation et il faut des Faut des jetons poissons échangeables. de. Mais C'est ça, je sais. d'où tu chopes ces poissons? On les a jamais crevés encore. Hein. Bah non, je sais pas du tout. C'est une bonne question. Peut-être en pêchant, je sais pas. Peut-être en pêchant, Un ouais. pas de poisson basique. Ouais, je pense qu'il y en a pour en pêchant parce que tu Ah, peux il avoir des faut appâts un peu plus peut-être élevés. pêcher avec les appâts. Jamais pêcher avec des appâts. Ah ben voilà. Parce que là, je vois appât de poisson basique. Faudrait que j'essaye, tiens. Écoutez, les amis, Et on tu en peux l'acheter apprend. avec des cubes de déchets, ces trucs-là. Ah, ouais. Ok, ouais. Ah, ouais, je comprends. Ok, je commence à comprendre. Et après, quand on a évolué, on pourra prendre des appâts de Oh, il y a un poissons lama. avancés. Il y a un lama. Tu veux le capturer ou pas? Lama? Oui! Mais par contre, il nous faut une bonbonne. Oh, l'ours! Ah.
savais pas mieux qu'Evan. Oh, celui-là, il est agressif, hein. Il est plus dur que les autres. T'es sûr, c'est parce que t'as plus l'habitude. Peut-être. Ah, ça y est. C'est juste que t'as plus l'habitude. Non, je crois que j'avais plus l'habitude. Je cherchais mon trésor, moi. Ah, trésor. Oh, nul. C'est de la ferraille. C'est pas un... Y'a même pas de titane. Dégoûté. Est-ce qu'il y en a encore un autre, on a... Y'en a encore un. Un autre sur l'île. Ouais. Ça bip. Bah voilà, c'est ça. Du coup, il nous faut une bonbonne pour capturer le lama. On va chercher une dès que possible. Mais là, je finis d'abord de récupérer un peu des bois à droite à gauche. Lama, je te vois. Là. Pas. Du coup, il nous faut de la bonbonne. J'ai le lance-filet avec moi, mais j'ai pas la bonbonne. Oh, il y a un coffre-fort. Oh, champignon. 3 minerais de titane, de un jouet robot, un minerai de titane et une cassette. D'accord. Ah non. Oh non, la cassette de la dernière fois. Oh non. Non, là, c'est pop. C'est pop cassette. C'est de la pop. Ah, on va voir ce que ça donne. Va falloir tester. Bon, ça va, on a quand même eu 4 titanes. Ici, donc je vais aller les faire fondre tout de suite. Je vais aller les faire fondre tout de suite et je vais créer la bonbonne. Comme ça, je vais essayer de capturer le lama. Avec la biquette, on ne l'avait pas capturé en live, les amis. On va essayer de capturer le lama ensemble. Je vous garantis pas que ça va être une réussite. Qu'est-ce qu'on a sous l'eau? Il y a du sable. Il y a le requin aussi. Il est juste à l'entrée, hein, il nous attend. Mais je l'attaque de plein fouet en fait depuis tout à l'heure, je le poursuis. Pendant qu'il me poursuivait, je le poursuivais. Et du coup, il s'est pris au moins 2 ans dans les fesses. C'est pour ça. Il attaque, ah ouais. Il attaque. Il est où? Je te laisse gérer. Il va pas tarder à mourir. Je vais direct faire fondre le titane. Écoute. Vas-y. Comme ça sera fait. Je vais réparer un peu les bords parce que là depuis tout à l'heure, il avait bien attaqué donc Ah, j'ai eu plein de planches avec les je remplis les forges. Je remplis les forges. Vas-y. Les minerais, bois, plastique. Oh, le miel, il y en a plein, ça c'est cool. Je te le mets là-bas, le miel à côté du raffineur. Yep. Tac. Il y a 26 miel, donc ça c'est cool. Le petit robot. Petit robot. On va le mettre là, le petit robot. Pourquoi pas. On le met là pour l'instant. De la pierre, un radis. Je vais le manger, le radis. Écoutez, on va le manger. Hein. Il est cuit en plus. De la corde, de pierre, ok. Du coup, dans l'hiver, je peux te déposer le filet, j'ai récupéré. Je récupère le crochet parce que j'en ai plus. Ouais, vas-y, prends-le. Bah, je dépose du coup les cubes de déchets. Si tu veux en récupérer, il faudra me dire. Ouais, ok. Enfin, alors, je cherche la bonbonne. Allez, il est ici. Poudre explosive, pierre, corde. Combien on a de poudre explosive? 2. Ça me fait 2 munitions. Pierre. Du coup, il faut 4 cordes. Il m'en faut au moins 8. Hop. Voilà. Et 4 de pierre. On va faire comme ça. Tac, tac. Voilà. J'ai 2 bonbonnes. Et on va essayer d'aller capturer ce lama. Et j'ai dit que je devais faire quoi d'autre sinon? Je ne sais plus. Bah, je crois que c'est tout. On va essayer de couper pas mal d'arbres. T'as tout coupé sinon, même les bouleaux, tu sais, les bouleaux verts. Je crois. J'ai coupé ce que je pouvais. Après, il y en a peut-être d'autres sur le chemin que j'ai peut-être pas vu. Donc, du coup, je regarderai. Ouais, je coupe. Mais normalement, j'ai. Voilà. J'ai pris normalement.
retrouver du champignon, ça c'est chouette, on en avait plus. Par contre, du miel, on doit des abeilles, on doit en avoir pas mal du coup là. On en a eu 25. Ouais, c'est pas mal. Je vais nous refaire une ruche. Ah bah ouais, comme ça c'est ouais très bien, on aura plus de production. C'est ça, c'est ce que je voulais faire, mais j'avais pas. Allez, on est parti. Pas les abeilles qu'il fallait. Oh oui, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Oh, le pauvre. On peut pas récupérer la bonbonne, c'est dommage. Et voilà, je ramène un lama. Et avec le lama, on a quoi du coup? C'est pas du tout. C'est pas du tout. Je vais mettre le lama dans notre ouais, jardin. J'en ai aucune idée. La biquette, c'est du lait. Le lama, c'est quoi? C'est pas des œufs, le lama quand même? Non, de la laine peut-être. Ah, peut-être la laine. Ah, t'as raison, c'est la laine avec la cisaille. Tu vois? Non, des mais œufs. Franchement, non, mais... des œufs. Je sais les pas œufs, c'est la poule. Bah oui, c'est vrai. C'est la poule, moi, que j'aimerais qu'on récupère pour avoir des œufs. Quelle idiotie. N'importe quoi. Oh là là, bon, fou. Alors, du coup. Ah, j'adore. Ah, des lingots de titane. On en a 5. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Purificateur d'eau électrique. La grille de cuisson. La vraie, le purificateur, ça va être problématique. Il faudra plusieurs titanes. Peut-être faire l'éolienne pour les batteries. Alors, l'éolienne. Où est-ce qu'elle est, l'éolienne? Ici. Convertit le vent en énergie pour recharger les batteries. Ça utilisera moins de carburant. Ouais. Ouais, après, ouais, c'est vrai que l'eau serait très important pour qu'on puisse en avoir. Bah après, le carburant, on en... Pour l'instant, ouais, le carburant, on est on bien peut le produire, donc ça va. Bon, allez, je vais faire le purificateur, on va voir ce que ça donne. Requin mort. Profite pour aller dans l'eau, j'ai pas de truc. Ouais, bah je vais y aller. Écoutez, les amis, on va faire un petit, une petite session de loot. Dans l'eau, le requin est mort. Tu veux du sable? Ah mince, je vous laissais la tête, j'ai pas le temps. Tu veux du sable ou il y en oui, a assez? Toujours. Ok. Toujours. Ah, c'est carrément mieux avec la bouteille d'oxygène et les palmes quand même. J'ai le requin est mort. Si je peux. Mais il n'y a pas trop de profondeur, j'ai l'impression. Non, il n'y a pas trop, mais il y a quand même une zone à en donner. La plage est bien plate où tu vois les déchets, etc. De l'autre côté de l'île aussi. Donc, ah, de l'autre coup, côté on se dit, il doit avoir des choses. Ouais, il doit avoir des choses. La terre, tu mets dans quoi? Dans brut? Ouais, brut. Ok. Il y a pas mal de minerais. De ferraille, pardon. Si je m'éloigne un petit peu, est-ce que éventuellement. On a quelque chose par là? Pas du tout. Il n'y a pas grand chose. Je vais essayer de pêcher avec des appâts tout à l'heure pour voir. Bon, les amis, du coup, c'est un petit épisode de transition où, du coup, on découvre pas mal de choses. On a capturé le lama, c'est pas mal. On va essayer de voir si on pêche avec les appâts. Ça peut nous donner des poissons pour pouvoir vendre aux vendeurs. Marchands, plutôt. On va essayer de voir. On découvre pas mal de choses, quand même. Des petites choses un peu intermédiaires qui sont peut-être moins intéressantes que l'histoire centrale. Mais c'est quand même à prendre. Ouais, faut qu'on se le dise. Alors, je vais peut-être enlever ça quand même pour juste pour loot. Je vais pas utiliser les palmes et tout. Petite session de loot. On sait bien que c'est pas forcément toujours intéressant, mais c'est quand même nécessaire. Bon, là, c'est de la pierre. Ici.
c'est toujours utile, après on pourra le faire broyer la pierre. Ouais. Il y a beaucoup de ferraille surtout, tu sais, pour faire des clous et tout ça, et les clous, je pense que ça va. Ouais. On en aura besoin pour la déco et tout ça. Oh oui. Je pense, je sais pas, c'est. Pour la déco, j'en ai aucune idée, je verrai. Le sable, bon, le sable, oui, pour du fer du verre. Ça, c'est indispensable. Je vois pas le requin, hein. Je sais pas s'il est revenu ou pas. Pas encore. Je crois que c'est 5 minutes. Ça doit être 5 minutes, 4 minutes si tu le, si t'enlèves tout. Et 5 minutes si tu laisses la tête, quelque chose comme ça. Eh ben, ça fait 4 minutes parce que j'ai enlevé la tête sans vouloir. Ah. C'est ça. J'ai voulu laisser la tête, mais non. Ah mince. Je suis ralenti. J'ai plus d'eau. Est-ce que j'ai quelque chose à boire avec moi? J'ai absolument rien à boire. Bon bah je dois rentrer. Je dois rentrer parce que je suis ralenti. Et il y a l'ours. Et il y a l'ours, on va rester dans l'eau, hein. Surtout quand t'es ralenti, je crois que se battre avec l'ours, c'est pas la bonne idée. Tout. Il me regarde en plus. Vaut mieux affronter le requin. Vaut mieux affronter le requin que l'ours. Ah la vache, je Bah tiens, suis parlant, super lent. hop. J'ai faim et nourriture. J'ai faim, bah oui, faim et nourriture, bien sûr. J'ai faim et T'as faim soif. et nourriture, bah oui. T'as faim et nourriture, je vois pas la différence, mais bon, c'est pas Il est grave, temps de hein. s'arrêter. Il est temps de s'arrêter. Alors, allez, avance. Je crois que je vais même pas y arriver. Allez le nounours, voilà. Donne-moi ta fourrure. C'est bon. Allez, on va manger, on va boire. On va être très bien. Avec tout ça, on va se vider aussi. Est-ce que j'ai quelque chose à manger? Mais j'ai rien à manger. Y a plein de bouffe, hein. Ouais, j'arrive. Là, t'as pas trouvé de quoi manger, hein. Là, je sais que on a ce qu'il faut. Bouillon de tête. Bah écoute, je vais goûter ça, tiens. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Ah, ça remplit pas mal. Hop, je vais remettre ça ici. Le meilleur, c'est vraiment Le dîner, trois le types de dîner, viande. ouais. Toute la viande. Ouais, je me fasse une canne à Allez, pêche aussi, parce beaucoup que de là, ferraille. franchement. Beaucoup trop, ouais. Tac. Non, ça c'est Ah, dans mais le il y a encore brut. plein de trucs ici! C'est ça, c'est ici là que je disais. Ouais, il y a plein de trucs ici. Il manque quoi? Dans l'eau. Il y Ah, a dans l'eau. plein de ferrailles. Il y a Écoute, plein du de coup, je terre. vais faire. J'avais dit quoi? J'avais dit. De l'argile. Le purificateur, circuit imprimé. Ah, il faut 20 de plastique, la vache. Il nous faut un circuit imprimé. Alors, circuit imprimé, c'est. Encore du plastique. Il n'y a pas assez de plastique. Oh la vache, j'ai pas assez de plastique. T'inquiète pas, on finit l'île et on va y aller si tu veux. Lingot de cuivre 2. 1, 2. Substance visqueuse, c'est dans organique ici. J'ai de quoi faire le circuit imprimé, mais par contre, j'ai plus de quoi faire. J'ai trouvé du cuivre. Ah, bien. Ouais, le purificateur, il manque un de plastique. Il n'y aurait pas un de plastique qui se serait glissé dans les filets. Du bois. Je vais pas trouver de plastique. De plastique. Sinon, j'ai presque une idée. J'ai défait une fondation. J'ai défait une fondation. T'inquiète pas, on aura. Voilà, le purificateur électrique. Alors, comment ça se passe ce truc? Oh, c'est marrant. C'est un aspirateur qui aspire l'eau en fait. C'est excellent ça. Chouette. Alors, par contre, comment ça marche Ça, on le pourra le mettre en placement? plein milieu de la base, ça sera pas un souci.
On fera un trou pour ça. Ah non, il faut que ça soit sur le côté ou alors. Ou alors. Attends. C'est Je ça, faire un teste. trou comme on a fait pour l'encre, au milieu, tu vois. Ouais, je Ou teste comme on a ça. fait des trucs. On va voir ce que ça donne. Comme les moteurs aussi. Alors, comment ça fonctionne? Bien sûr, on est du mauvais côté ou pas? Et oui, on est du mauvais côté. Aïe, aïe, aïe. On va poser la batterie comme ça. Oh, c'est excellent ça. Franchement, c'est bien. Du coup, normalement, on a plein de ferraille pour faire. Quelqu'un qui attaque. Yes. Tac. Je l'ai vu Voilà. attaquer direct de Une coup de loin. machette. Alors, les amis, petit tuyau à eau. Ah ouais, il faut beaucoup de ferraille. Ok. On va juste Je voir quelque ramène de la chose. ferraille. On va voir quelque chose si ça marche. Est-ce que ça passe à travers? Mince, c'est où? C'est en plein milieu. Non, du coup, non. J'ai pas fait exprès. Ah, c'est bon. Du coup, c'est pas forcément le bon emplacement. Parce que tu vois, je me suis dit, ok, Oh, peut-être le que ski, pas le tuyau mal. il peut traverser. Ouais, c'est énorme, hein, c'est un aspirateur en fait. Excellent, je trouve. Non, il passera pas. Je pense pas qu'il traversera. Hein. Et fais gaffe, attends à ce que tu détruis, parce que si tu détruis en plein. Non, bah alors attends, il faudrait qu'on le mette derrière ici en fait. Qu'on Tu le fasse feras une en petite pleine zone cuisine. Hein. à l'arrière ici. Après, tu peux mettre à l'arrière, c'est pas un souci. On va réagrandir après dès qu'on va Attends, voyager je si vais tu veux. prendre la. Je prends la Il batterie. nous faudra du plastique et tout. On coupe ça. Je récupère Teste ça. d'abord pour voir comment ça fonctionne. Par contre, du coup, il y a un trou dans la coque. Pas grave, on va refaire ça dans un instant. Voilà. Et alors, du coup, si on le met à l'arrière. Alors, ça se passe comment? On va tester ça tout de suite. On met ça comme ça. On met ça ici. Ah ouais, mais. Ah, c'est pas bon ça. Ok. Tu vois, on peut monter comme ça, par exemple. Mais du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faudrait mettre un réservoir ici. Genre le réservoir, on le met En là. haut, oui, à l'étage. Tu vois? On le met ici, comme ça peut irriguer les palmiers et tout ça. Oui, tu mets à l'étage et comme ça je mettrai un arroseur automatique pour les palmiers et après je ferai un autre pour les chèvres. On peut faire quelque chose comme ça, hein, j'en sais rien, mais par contre là, y a rien. Mince. Je peux plus aller. Attends. Non, je vais pas si haut. Bon, va falloir voir un petit peu le système. Je sais pas trop comment on va pouvoir faire ça. De toute façon, s'il faudra monter en hauteur, il faudra éviter que justement qu'on puisse mailler les pieds dedans pour les chèvres, etc. Donc, soit sinon on mettra sur le côté, à voir. Sur le côté, ce sera peut-être un peu moins chiant. Ouais, je pense Mais qu'il faudrait qu'on le mette sur le côté. c'est ça. Parce que sinon, on Bon, on va verra un gros truc passer réfléchir. au-dessus de notre tête, ça fera moche. Bon, déjà, là, normalement, il y a un stock. Si je prends ma bouteille. Ah oui, alors, faut que je remette la batterie dessus. Bon, on va en avoir besoin de beaucoup de batterie, hein. C'est bien, on a le rechargeur. C'est pour ça qu'on a débloqué l'éolienne aussi, hein. Alors, du coup, si je prends ma bouteille, par exemple. Ah, yes! On peut remplir d'eau douce comme ça. Ça, c'est cool. Oh, c'est bon, c'est fini, les petits récupérateurs. Une seule bouteille, c'est suffisant. Chouette. Et en plus, on va pouvoir remplir le réservoir, mais par contre, là, il faut 3 de titane. 3 de titane, il faut plein de plastique. Bah écoute, je te propose de lâcher l'ancre. Attends, justement, je voulais voir, je voulais tester la canne à pêche avant. Ah, vas-y. Pour voir ce que ça donne. La Comme ça, si on bonbonne, je achète vais la d'autres ou remettre dans pas. petit verre. Les appâts sont où? Où est-ce que j'ai mis ça?
Ah si, attends. Je crois que... Non. Ici? Bah, je les ai mis où? Ah, je sais plus où je les ai mis. Je sais que je les ai vus, mais j'ai pas eu ça. Je les ai vus quelque part. D'accord. C'est bien vague, dis donc. Ouais, ouais. Ici, à côté des batteries. Là où t'as les batteries, là, à côté du rechargeur des batteries. Ok. Du coup, j'étais en train de penser à quelque chose. C'était quoi? Compliqué ce sort. Alors, ah! Ok. Oh, il attaque juste à côté en plus, oh! Tu fais pas ça! Comme par hasard! Ça, c'est vachement bien ça! Pas un poisson basique! J'ai arrosé les carrés de terre, comme ça c'est fait. L'eau, ouais, c'est bien, on aura plus de problème de. Ça, c'est cool. Alors. Je vais réparer quand même. Voilà. L'eau est full, ça c'est super. Par contre, du coup, ce que je voulais faire, c'était prendre les cisailles et aller couper de la laine. Et on va pouvoir aller faire la recherche de la laine. Vas-y, lama, vas-y, petit lama, petit lama. Moi, je suis en train d'essayer de voir si première laine. Peut faire pour mettre. Comment on fait pour pêcher avec les appâts? Ah, je sais pas du tout ça par contre. Simple, efficace, utilisé par les novices de la pêche. Ok. Plus alors. Les professionnels. Oh okay, la vache, on peut apprendre. Okay. Ah, ça y est, on va pouvoir produire nos chaussures, le sac à dos et tout ça. Oh, chouette, on va pouvoir se produire notre truc, cool. Ouais. Alors, du coup, les plans, je peux le ranger où le plan? Parce que. On commence à être à court de stockage, va falloir qu'on fasse des stockages. Je vais mettre ça là. C'est un peu le divers. Cisailles, je vais leur mettre d'ailleurs. Hop, voilà. Les tuyaux, je les avais mis normalement ici. J'essaie de voir en fait comment fonctionnent les appâts, je t'avouerai. Avant de partir, parce que comme ça, si on peut en acheter d'autres avant de partir, ce serait bien quoi. Mais choisir appât. Clic droit quand t'as la canne à pêche. Ah, nickel. Voyons voir maintenant si je chope d'autres poissons différents. Ouais, ça serait pas mal ça. Comme ça, on pourrait vendre aux marchands. C'est ça? Et surtout, c'est que je vais en achèterai d'autres, quoi. Ah, c'est ça. C'est ça? C'est avec. Trop bien. Ouais. Mais par contre, à chaque fois que tu pêches, tu utilises un truc. Donc, faut en racheter. Bah, après, on a pas mal de cubes de déchets, donc ça va. C'est ça. Là, je vais prendre les cubes et je vais racheter que des appâts. Parce que comme ça, on va pouvoir après revendre les poissons. Bizarre, avoir 3 lingots de titane. Ah, mais en fait, on en a 3. Au niveau du truc pour avoir plusieurs pêches, plusieurs poissons et après, on aura plusieurs différents. Ah oui, mais on a pas de plastique. Oh la vache. En fait, on va pouvoir faire le réservoir d'eau, mais on n'a pas 30 de plastique. Il nous manque du plastique. T'inquiète, on va aller voyager. C'est pour ça que justement, je voulais acheter des trucs comme ça. On pourra aller voyager tout de suite, quoi. Le temps qu'on récupère. T'as pris tous les cubes de déchets, du coup? Prends plein d'appâts ouais. Dans ce cas-là. Comme ça. Après, les cubes de déchets, on peut en refaire autant qu'on veut. Ouais. Avec des cordes ou des pierres ou. Je peux même en lancer là si tu veux. Tac, bon, ouais, c'est rempli. Ah, il en faut encore plus. Rupture de stock, j'ai pas pu en prendre plein. Ah, ah oui. T'as une rupture de stock. Alors okay. Par contre, ronge filet, vendre. Ça y est, j'ai eu une réputation, j'ai eu 10 de réputation. Et j'ai eu des jetons d'échange. Ça c'est bien les jetons d'échange, on va pouvoir peut-être acheter et peut-être acheter nos premiers
le premier truc avec des jetons de réputation. Après, je pense que le but là, c'est de monter en niveau de réputation pour pouvoir acheter des trucs plus intéressants, je pense. C'est ça. En fait, c'est tu vends pour gagner de la réputation, mais en achetant, tu ne gagnes pas de réputation. Ouais. J'ai acheté une petite recette parce que c'était qui coûtait le moins cher. Et je Ouais. t'avouerai, une armoire pour se changer, une boussole pour mettre le nord, la recette sera plus intéressante, je pense. Mais avant qu'on parte, si tu veux, je peux me repêcher un peu quelques poissons, je te passerai des appâts aussi. Et on les revend tout de suite, c'est pas un problème. Ouais, on peut, hein. Parce que là, j'ai quelques recettes, tant qu'à faire. Ah, il attaque. Où est-ce qu'il est? Côté là-bas. Ah, il a cassé. Ok. Et ma machette a cassé. Allez, hop. Ça, c'est fait. Ce qui m'embête, c'est que là, on n'a plus du tout de plastique, quoi. Bon. Et bah, je crois que on va se laisser là-dessus, les amis. Alors, donc, Yep. prochain objectif, on vous montre un petit À la peu si on a prochaine. réussi à avancer sur les crafts, sur les builds. On va essayer de faire le réservoir d'eau. On va essayer de d'avancer un petit peu comme ça. On va essayer de pêcher des poissons peu ordinaires pour pouvoir avoir un peu de réputation auprès du marchand et pouvoir commencer à débloquer pas mal de choses qui sont propres au marchand. Donc ça peut être assez sympa aussi. On a notre premier lama qui nous donne de la laine, donc et non pas des œufs. Et donc comme ça c'est très très bien. On a le premier aspirateur Dyson aquatique. Et comme ça on a vraiment de l'eau à l'infini, donc ça c'est franchement très bien. Là par contre l'objectif c'est de renflouer un peu toutes les caisses, renflouer le bois, le plastique, les cordes, ça va. Mais ouais, c'est principalement le bois, le plastique et du titane. Trouver du titane parce que là, c'est ce qui nous manque cruellement, hein, bien sûr. C'est vraiment le titane. Et sur ce genre d'île, peut-être qu'on va, en allant vers Tempérance, on va retomber sur ce genre d'île. Je pense que ça va être intéressant puisque là, vous l'avez vu, on avait quasi deux coffres à rechercher. Donc ça peut être pas mal si éventuellement il y a trois ou quatre titanes dans chaque coffre. Donc franchement, très très bien. Ah ouais. Écoutez, un très bon épisode de transition. Donc désolé si vous n'aimez pas trop les épisodes de transition, de loot, etc. Mais après, ça nous permet de découvrir quand même pas mal de choses. Tout ce qui est à construire et tout ça, parce qu'on a quand même pas mal de retard sur toutes les constructions. Donc c'est franchement, ça peut être intéressant de voir ce genre d'épisode. En tout cas, la prochaine fois, normalement, on se retrouve sur Tempérance. Au prochain objectif, hashtag 20, 1710. Donc j'espère qu'on y sera. Sauf si éventuellement, on trouve quelque chose à vous montrer avant de très, très important, enfin, qu'on n'a jamais vu encore. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et si vous voulez voir la suite, bien sûr, bah, restez connectés. Et le prochain épisode sortira très très bientôt. Allez, avec Tenchi, on vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous dis ciao!